Deux servantes, un jour, une laide, une belle, qui s'en revenaient du marché caquetant comme deux pucelles, croisèrent monsieur le curé. Elles firent leur révérence. Le doigt sur le menton de la jolie, le prêtre la gronda souriant. « Marguerite, je pense que j'avais oublié mes lunettes dimanche. Je ne t'ai pas vue à la messe. »« Comment ? J'avais ma robe blanche. » gémit l'impudente jeunesse. « Vous ne l'avez pas vue peut-être ? Je m'étais levée très bonne heure, car nous devions faire le beurre. C'était la messe du vicaire, je crois. »« Je te conseille de te taire, jeune effrontée. » J'ai surveillé les trois, s'indigna le curé pour rire. Il enchaîna. « Prends garde au péché, Margoton. Le diable est un vilain glouton qui s'y connaît en jolie fille. L'enfer, tu sais de quoi il est pavé ? Ce n'est pas tout d'être gentille. Une poulette comme toi, ce ne sera pas long à frire. » La laide s'approcha, tout miel et tout sourire, avec cet air de ceux qui marchent toujours droit. « Monsieur le curé, moi j'y ai été à la messe, et à vêpres aussi, et aux prières, et je suis sortie la dernière, après avoir aidé madame la chaisière à replier la nappe et ranger les ciboires. Et j'ai encore dit deux avés. « Ah, toi je t'ai vu !» dit le curé. « Mais n'en fais pas toute une histoire !»